Lors d'une réunion à PM, j'avais rencontré Emmanuel Delattre et il était fascinant parce qu'à travers le conte, il permettait de raconter une histoire d'entreprise sur la vision, sur le projet, quelque chose de magique, quelque chose d'irréel. Et ce qui était étonnant et fabuleux, c'est de pouvoir penser autrement. Et pour reprendre la phrase de Kennedy, les gens disent les choses comme elles sont. Ils disent pourquoi. Moi, je dis les choses comme elles pourraient être et je dis pourquoi pas. J'ai travaillé d'une manière très organisée puisque la fabrication d'un conte est très structurée. Et il a fallu donc prendre du temps, être très concis pour exprimer. Là, j'avais choisi le projet de l'entreprise qu'on dit service et de faire en sorte que le récit de ce conte pouvait emmener encore plus loin les collaborateurs de la société. Et un plus qui n'est pas neutre, c'est le partage avec d'autres chefs d'entreprise animés par Emmanuel Delattre pour constituer les bases de ce conte. L'impact sur moi et sur la façon de penser et de raconter autrement, enfin de parler autrement, de penser autrement, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux, on n'a pas l'habitude, et j'avoue que ça a une puissance de feu extraordinaire. Surtout que dans les contes, on parle du feu aussi. Au niveau des salariés, j'ai eu l'occasion de raconter ce conte au pot de Noël, où l'ensemble de l'entreprise était rassemblée, et cette vision à travers un conte donne encore plus de puissance, et les personnes se retrouvent dans un des personnages, et à chaque fois, ils disent à la fin, on a compris l'ensemble de l'entreprise à travers ce conte et le projet que la société qu'on dit service prend en charge jusqu'en 2020. Et évidemment, pour les nouveaux collaborateurs qui entrent, j'ai eu l'idée de raconter ce conte une fois rentré pour avoir une vision plus claire, encore plus, je vais dire, plus magique peut-être aussi, de l'entreprise et de son projet, ses valeurs et sa finalité.